Vous voulez réussir dans le mannequinat, vous voulez devenir mannequin, c'est votre rêve. Eh bien voici 10 conseils pour écraser la concurrence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Loïc, je suis mannequin professionnel et j'aide un petit peu des gens qui veulent devenir mannequin. J'essaye d'apporter mes expériences et mes conseils pour que vous puissiez tout déchirer dans l'industrie de la mode. Et voilà, c'est parti! On commence tout de suite avec le premier conseil, soyez professionnel. Être professionnel, ça veut dire répondre le plus vite possible aux mails que vous envoient les agences. Normalement, quand une agence vous envoie un mail ou un SMS, vous devez répondre dans les 5 minutes. D'ailleurs, j'ai oublié de répondre à un mail, je vais le faire tout de suite. Hop, c'est ça être professionnel, il faut répondre le plus tôt possible aux agences. Si vous répondez plus de 24 heures après un mail, c'est que c'est beaucoup trop. Vraiment, normalement, ça se fait dans les 2 ou 3 heures. Être professionnel, c'est aussi être à l'heure sur vos shootings. Il y a trop de mannequins qui arrivent en mode tranquille, il n'y a pas de soucis et tout. Si vous arrivez à l'heure sur un shooting, ça donne quand même une meilleure image de vous. Et surtout, bah, si c'est la première fois que vous intégrez une agence et que vous faites un shooting un petit peu test, vous ne le savez pas forcément, mais l'agence, elle va demander au client comment ça s'est passé sur le set, est-ce que ce mannequin, il a fait le taf ou pas. Et bien, si vous arrivez à l'heure, si vous êtes souriant, vous faites bien le job, ça fait un super retour à l'agence et l'agence va essayer de vous mettre plus en avant. Un mannequin sur qui une agence peut compter, qui est disponible tout le temps, qui répond vite, qui est à l'heure, qui est souriant, elle va le mettre en avant. Deuxième conseil qui va un petit peu de pair, soignez votre apparence. Alors, soigner son apparence, ça veut dire arriver propre sur un shooting. Si c'est un shooting visage, pareil, essayez quand même de bien vous hydrater la veille, d'avoir une belle peau. Souvent, il y a des mannequins, ils vont faire des grosses soirées la veille, ils vont avoir une gueule d'enterrement le lendemain et ils vont arriver devant la maquilleuse en mode « s'il te plaît, sauve-moi la vie », tu vois. Et je trouve que c'est pas trop respectueux, donc vraiment, essayez de prendre soin de votre apparence et en particulier avant un shooting. Troisième conseil, soyez ouvert d'esprit. Alors, je sais que quand on fait un job, on rêve tous d'avoir la nouvelle campagne pour Louis Vuitton ou d'avoir des jobs vraiment très cool. Mais des fois, bah, y a des jobs qui sont un petit peu moins cool. Moi, je sais que j'ai déjà fait des shootings pour des marques de grande distribution en mode je dois cuisiner un cassoulet ou tu dois être déguisé, tu dois faire des trucs un petit peu chelous. C'est pas des jobs qui te mettent beaucoup en valeur. Mais bon, déjà, c'est rigolo de dire que j'ai shooté pour des Chipolata. Pour moi, être ouvert d'esprit, ça apporte beaucoup de jobs. Bah, tu vois, moi, cette agence-là qui me met sur des jobs un petit peu chelous comme ça, cassoulet, tout ça, et ben, c'est une agence qui sait que moi, je vais accepter beaucoup de jobs. Et qui du coup, bah, dès qu'ils ont des trucs un petit peu chelous, ils vont essayer de me mettre en avant. Alors faut pas faire ça avec toutes les agences parce que du coup c'est un petit peu bête si on te met que sur des jobs vraiment nuls. Mais si t'as une agence qui te met en avant sur ce genre de job, et quand je dis nul, c'est pas nul en vrai, hein, c'est des shootings très rigolos en général. Et ça fait toujours un bon cachet. Mais c'est pas les shootings prestigieux qu'on a en tête. Donc soyez ouvert d'esprit et essayez de sortir un petit peu de votre zone de confort. Quatrième conseil, vraiment très important celui-ci, donnez-vous les moyens de créer un book en béton. Le book, c'est la chose la plus importante du mannequin. C'est la première chose que les gens voient, c'est la première chose que les gens demandent. Quand vous allez en agence, vous présentez d'abord votre book et ensuite vos polas et votre vidéo présentation. Et avoir un book en béton, ça vous fait passer la première porte d'entrée très facilement et bah, ça donne une très bonne première image de vous. Et c'est vraiment, ouais, c'est hyper important d'avoir un bon book. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur 7 hacks pour se créer un book qui cartonne. Je vous conseille d'aller la voir. Cinquième conseil, toujours en lien avec le book, essayez de faire vivre votre book. Votre book, il doit être actualisé en fonction de qui vous êtes actuellement. Par exemple, moi, avant, j'avais beaucoup de photos où j'étais rasé quand j'étais plus jeune. J'ai enlevé toutes ces photos parce que ça ne me correspond plus maintenant. Mon image a évolué, j'ai grandi un petit peu. Donc il faut faire vivre son book et surtout il faut essayer de l'améliorer en permanence. Comme je le disais dans la vidéo, je ne vais pas tout vous spoiler non plus, mais je vous disais d'aller regarder les books de mannequins qui sont vraiment très connus pour voir un petit peu à quoi ressemble un book. Vous allez voir qu'il y a forcément des photos avec différents univers et vous allez pouvoir vous inspirer de ces différents univers pour compléter votre book à vous. Et c'est vraiment important d'avoir un book complet, de qualité et surtout de le faire vivre et de l'améliorer tous les jours. Sixième conseil, travaillez votre réseau. Alors ça c'est pareil, c'est hyper important. D'ailleurs là en faisant la vidéo, je me rends compte que c'est vrai que mannequin c'est vraiment, il y a tellement de trucs à faire en fait, c'est pas juste savoir poser quoi, il y a tellement de trucs à faire. Et développer son réseau en fait partie. Quand je dis développer son réseau, c'est bah, tous les jours, essayer de dire dans votre entourage tout ça que vous êtes mannequin, essayer de prendre les contacts des gens quand vous allez sur un job,
que ce soit le client, le photographe, les autres mannequins. Envoyez des mails, des propositions à des photographes pour faire des shootings. Mettez des commentaires sur les stories des mannequins que vous connaissez ou avec qui vous avez déjà shooté. Essayez de partager des photos en story. N'hésitez pas à taguer les photographes. Quand vous êtes sur le job aussi, vous faites une petite story backstage, ça ne coûte rien et ça vous fait être reposté par les autres mannequins du set ou par les photographes. Ça vous fait de la visibilité et c'est comme ça qu'on développe son réseau. Et sachant que c'est vraiment une chose très 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 importante dans ce milieu. Et d'ailleurs, septième conseil, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, essayez de faire équipe avec d'autres mannequins. Il faut s'enlever de la tête que les mannequins sont tous en rivalité, tout ça. C'est quelque chose qui est un petit peu vrai dans le milieu très fashion, mais vraiment dans le commercial en général, c'est bon enfant, tout le monde est cool, tout le monde est joyeux. Et essayez de prendre les contacts des autres mannequins, essayez de demander des conseils aux autres mannequins, surtout si vous êtes débutant, n'ayez pas peur de dire que vous êtes débutant. Si par exemple vous êtes en shooting, et ben vous profitez de la pause déjeuner pour aller voir les autres mannequins, leur demander un petit peu. Bah, des conseils, est-ce qu'ils ont des photographes à te conseiller? Tu peux te montrer ton book sur ton téléphone. Et moi, franchement, si quelqu'un vient vers moi en me demandant est-ce que mon book il est bien, qu'est-ce que tu penses de mes photos, je vais te faire un avis assez sincère. Huitième conseil, soyez visible sur les réseaux sociaux. C'est ultra important, surtout en 2023, d'être visible sur les réseaux, d'être actif et d'être régulier. Donc, mettez des photos de vous. Des photos de vous en train de faire des shootings, vous mettez des stories, vous repostez, vous interagissez avec les autres. Je vais pas vous apprendre à le faire, on n'est pas là pour ça. Mais vraiment, ne négligez pas Instagram, c'est un très très bon moyen d'avoir des shootings. Moi je pense que peut-être 50% de mes shoots ça vient d'Instagram parce que bah, des fois il y a des agences qui vous contactent, des fois il y a des clients. Et même si des fois c'est des petites marques qui vous contactent pour des shootings à 300-400 euros, c'est toujours ça de prix et ça vous fait de l'expérience. Et encore une fois, ça vous aide à construire votre réseau. Et bah, peut-être que cette marque elle va avoir besoin de vous pendant un an. Et si vous faites 5 ou 6 shootings à 300 euros, bah, au final ça fait quand même un très bon cachet à la fin de l'année. C'est bien cette vidéo parce que ça me permet de faire un petit peu une liste de qu'est-ce qui est important de faire dans le mannequinat et tout. Ça me fait un petit peu un bilan même pour moi, c'est cool. Et d'ailleurs, 9e conseil, essayez de vous différencier et notamment en essayant de développer un talent. Ce que j'appelle un talent, ça peut être faire du basket, faire de la danse, de la musique, du vélo, de la moto, du skateboard, des trucs comme ça. En général, quand on est mannequin, on a quand même pas mal de temps libre. Donc profitez de ce temps libre pour développer un talent, c'est comme ça que ça s'appelle. Faites du skate, regardez un petit peu les trucs à la mode. Moi je sais que bah, j'ai la chance de faire du skate depuis quelques années. Et du coup, bah, j'ai quand même pas mal de photos et de vidéos de skate dans mon book. J'ai quand même pas mal de jobs que j'ai eu où j'ai eu besoin de faire du skate. Alors des fois c'était juste pour le trimballer comme ça, mais bon déjà j'ai un skate. Et en plus si je peux rouler un petit peu et tout, j'ai pas non plus un super niveau, donc je vais pas faire des pubs pour les X Games. Mais des petits shootings de skate où je dois rouler un petit peu, me déplacer dans un bol ou quoi, et ben j'ai déjà eu à faire ce genre de shooting et déjà c'est super cool parce que je suis quand même payé pour faire du skate avec des vêtements cool, c'est quand même sympa. Et en plus ben, les agences ça les aide d'avoir des profils un petit peu comme ça. Donc mettez en avant ce genre de talent et utilisez votre temps libre pour développer des talents qui seront utiles aux agences. Et c'est un très bon moyen aussi de vous démarquer de la concurrence. 10e et dernier conseil, persévérez dans le mannequinat. C'est un milieu où il y a beaucoup de non-dits, on ne sait pas vraiment quoi faire pour se lancer, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce que je dois travailler. Là, je vous ai quand même fait une bonne liste de choses à travailler, mais ben, ça ne se fait pas tout seul et ça ne se fait pas en une journée. Il faut prendre le temps d'avancer, de comprendre, faire des erreurs, faire des shootings, se rendre compte que ben, là, on n'était pas top sur ce shooting, s'entraîner, refaire d'autres shootings, se rendre compte que son book n'était pas top, que telle photo, il ne fallait pas la mettre en avant. Et comme ça, on avance, on fait des erreurs. Vraiment, n'abandonnez pas. Donnez-vous les moyens de réussir. Et la plupart des gens que je connais ne sont pas devenus mannequins en une journée. Ça peut prendre plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Et une fois que vous êtes fait un nom dans ce milieu, une fois que votre book est bien en place, c'est que du kiff, que du bonheur. Donc donnez-vous les moyens de réaliser vos rêves et surtout, persévérez, ne lâchez rien. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ces conseils vous auront aidé. S'il y a des conseils que j'ai oubliés, vous pouvez les mettre en commentaire, la plupart des gens regarderont les commentaires. Donc essayez d'aider un petit peu les autres en donnant vos retours d'expérience, des petits tips que j'aurais pas pensé à donner. Et également si vous avez des questions ou des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse, mettez-le en commentaire, je me ferai un plaisir de vous aider et de vous répondre. Et voilà, mettez un petit like, abonnez-vous, vous connaissez la routine. Encore une fois, travaillez, ne lâchez rien et je vous dis à la semaine prochaine.